Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V2 A Bit Giraffe. Donc plusieurs choses, j'ai dû enlever les différentes boxes de créatifs que j'avais mises, plus la box de le Black Market. Apparemment, quand on a ces trucs-là sur le vaisseau, ça fait que le vaisseau ne veut plus sortir du mode saut dans le dans la enfin vitesse de la lumière. Et du coup, on se retrouve avec rien du tout qui se passe. Donc, sur une planète de type alien, chers amis, cette fois-ci. Tout simplement pour me balader. Voir si on n'a pas quelques biomes sympas à récupérer. Les constructions, je ne pense pas que ce sera pour tout de suite. Hein. Voilà. Pour ce qui est des mods, j'espère qu'ils vous plaisent. J'espère que vous m'en aurez proposé quelques-uns aussi. Donc moi, je vous rappelle que je suis toujours dans la même session. Hop. On a du jus d'alien que je vais récupérer en partie. Hein. Hop, parfait. Dans certaines quantités, on va dire. Pour la simple et bonne raison que c'est un jus qui est très coloré, chers amis. Très coloré, donc. Ah, zut, raté. Hop, parfait. On va aussi commencer à la récolte de ce genre de choses aussi. Ça peut être sympa. Et aussi d'ici quelques épisodes, ou je sais pas, dites-moi, non, peut-être pas d'ici quelques épisodes, dites-moi si vous souhaitez que je parte à la chasse au diamant en vidéo, ou en dehors des vidéos, en offline. C'est à vous de me le dire, n'hésitez pas, moi je serais toujours ravi d'avoir votre avis. Toi tu vas venir jusque là? T'aurais pas dû. Ici nous avons un coffre que nous avons déjà, tout le reste nous l'avons. Hop, je le prends. A vrai dire, moi ça ne me dérange pas de faire en offline. Hein. Alors vous pouvez même, tenez, un petit truc. Si vous voulez que je le fasse en mode bulldozer, ça me dérange pas d'aller sous terre. Et dès que je vois des diamants, de me mettre en mode bulldozer pour miner. Hein. Y a pas de problème. Hein. Si ça change un petit peu, disons, votre façon de voir les choses, je suis preneur. Chers amis. Hop, bon, un petit coffre œil qui fait toujours du bien parce qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas toute la tenue œil, enfin toutes les possibilités que nous offre ce biome. Donc bon. Alors, j'aimerais avoir la lumière. Oh, vas-y, c'est bon, tu vas pas me faire ça, toi. Alors, je vous rappelle qu'il nous faut 85 diamants par bout de l'armure pour en avoir. Je ne suis pas allé vérifier. Je ne suis pas allé vérifier. Pour les dailles, vous savez la coloration, j'avais oublié. Ah, c'est pas le bon œil encore qu'on a. Normalement, il y a une tête entière qui ressemble à un œil. Enfin, vous avez une tête comme un œil là, vous voyez, un gros œil que vous posez sur votre tête. Hop, excusez-moi. J'ai pas lancé le timer. Hop. C'est parti. Voilà. En même temps, je suis en train de recharger le téléphone, tout ça. Hop. Ah mince. Voilà. J'ai cru que c'en était un. Mince. On se ressemble déjà au début de la planète. Ah non. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais en faire un petit peu avec vous dans le prochain épisode du farming de diamants. Et ensuite, tout simplement, on verra ce que ça donnera. Si les résultats sont excellents ou non. Un coffre. Je sais pas pourquoi je m'en doutais un petit peu à vrai dire. Ouais. Bon, si tu le dis. Oh zut. C'est le seul défaut de cette tech, c'est que... Vous avez de grandes chances en cas de chute, en fait, si vous êtes en train de chuter, de le déclencher. Ce qui entamera un tout petit peu, mais suffisamment, de manière suffisamment chiante, votre barre d'endurance. Hop!
Apparemment, il n'y avait rien là-dedans. Des fois, il y a des, comment, des coffres en fait planqués dans le jeu, c'est pour ça. Hop. Alors, les deux derniers épisodes ont été assez courts. Waouh. Bah, elle est cool celle-là. Celui-là, je l'avais déjà, donc il sera pour vous, chers amis. Hein. Donc, certains m'ont demandé pourquoi je dis que ce sera pour vous. Bah, c'est dans les épisodes multi. Il y aura donc accès à ce genre de choses. Bien sûr, un accès surveillé, hein, chers amis. Je ne veux pas que tout le monde prenne tout d'un coup. C'est un peu trop facile. C'est vrai que le but de la chaîne, c'est donc l'entraide. En tout cas, sur Starbound, ce sera de l'entraide. Mais faut pas exagérer non plus et prendre tout pour mes copains, pour machin, pour mes bidules. Non, 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 non. Je vous dépanne vous, je dépanne pas tous vos amis non plus. Hein. Je préfère dépanner chacun de mes viewers que qu'en dépanner un pour qu'il se fasse plein de copains, quoi. Vous voyez, c'est pas. Oh, encore un coffre. Non, j'en ai chopé de la merde, moi, déjà, là. Ah ouais, j'en ai chopé, hein. Ah, allons-nous avoir de la chance, chers amis. Oui. Cette vitesse de course, cette vitesse de course. Oh là-bas, j'ai pris cher au niveau des gars, et dis donc. Alors, c'est parti. Hop. Et en plus, il est vachement long, ce buff de... de vitesse, c'est cool. Ah, là par contre, il va peut-être y avoir quelque chose. Apparemment, non. Oh oh oh! Et il est bloqué en plus. Allons-y, chers amis. Donc, normalement, là-dedans, j'ai tout. Hein. Autant vous le dire. Oui, ça, je l'ai aussi. Je me rappelle en l'avoir pris. Hop. Ah, ça ne fait pas récupérer ma... Ah, je peux récupérer mon énergie comme ça, c'est cool, chers amis. Hop les. Hop les. Ça c'est fait, on peut retourner là-bas à l'entrée. Pour aller récupérer donc tout ce qui est container. Ce qui améliorera grandement donc notre vitesse de récupération d'objets dans les boîtes simplement. Ça ne fait plus container, j'avais oublié, oui effectivement. Là par contre il n'y a rien. Hop, là, il n'y a plus rien non plus. Là, il n'y a rien. Pic, 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 pic. Je suis désolé, moi, c'est la seule chose que j'ai entendue. Il y avait un flingue, celle-là. Tu meurs. La dame aux cheveux verts, elle a rien vu. Hop, là, il n'y avait rien non plus. Là non plus. Là, il y avait des choses. Là, il y avait des choses. Là, j'ai dit. Bon, il y avait quelques petites choses. Bon, pourquoi pas. Hop. Elle aussi, elle a tenté des choses. Là, j'ai récupéré un Uzi, apparemment. Hop. Parce que là-dedans, il y avait des choses. Il y avait des choses. Là, il y a des pixels en haut. Hop. Ça c'est ce qu'on appelle un atterrissage en douceur.
Là, y'a rien, y'a rien. Mince, j'ai pas fait ce que je voulais faire en fait. Hop. Là-dedans, y'a rien, mais c'est pas grave, ce sera rapide. Lui, c'est un abruti fini. Bon, moi aussi. Hop. On régène un petit coup, chers amis. Ça je récupère. Ça aussi c'est pas grave. Là-bas on a un bonhomme. Là on en a plus. Là non plus. Là il y avait strictement rien là-dedans. C'était une vraie déception. Hop. Quelques bombes, c'est toujours ça de prix, chers amis. Là, on a des chiottes à droite. Là, on a un... Oh mince, je me trompe de touche. Hop, voilà. Hop. Là-dedans, y'a rien. Là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose? Pas l'impression. Il y a des vieux dans la prison aussi. Je crois que ça doit être le dernier. C'est marrant, je peux enchaîner les dégâts comme ça. À cause du rebond. Hop, c'est cool. Enfin, c'est cool à savoir surtout en fait. Toi et ton clone, je les tue. Toi et ton clone, je vous tue. Aussi, ça je récupère des fois que là je prends les dégâts parce que voilà, eux c'était forcément un couple. Bon, 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 toi tu meurs. Ça c'est l'entrée de la prison de l'autre côté, chers amis. Je te reconnus. Ton clone aussi il meurt. La prison des clones, quoi. Bon, alors on vire tout ce qu'on a d'inutile, ça. Ça, j'ai mieux que me battre avec une chaise. La caméra, je peux la garder pour le lolz. Le pipe, j'en ai. Tout ça, j'en ai. Bon, c'est pas grave. Hop, la suite. Juste pour le lolz, j'en récupère un. Des fois que certains m'en demandent. Je ne veux pas avoir à le tuer. Toi aussi. Et hop, on a fait le tour, chers amis. Bon, bah, on remonte. On remonte. Hop. Bobo. Ouais, donc je pense que dans le prochain épisode, chers amis, on va aller tout simplement aller. Je t'ai vu, tu sais, hein. Quoi, comment ça, j'ai quelque chose sur la tête? Non, je vois pas de quoi tu parles. Bon, on va se laisser là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner, vous prendre dans les commentaires pour participer à une session de tournage. Abonnez-vous, partagez les vidéos, hein, d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître. Commentez, likez les vidéos, ce sont aussi d'excellents moyens que vous avez pour communiquer avec moi le fait que ce que je fais vous plaît ou pas. Commentez intelligemment, commentez de manière mature, entre guillemets. Si possible, en sachant écrire un minimum. Et moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Salut les gens!